Voici notre produit. Donc là, c'est l'éco-carte de la gamme CU. Donc là, c'est un véhicule qu'on a développé, le tout premier véhicule qu'on a développé. C'est un trimaran avec une batterie à l'intérieur au lithium fer phosphate que nous développons nous-mêmes, qui a l'avantage d'être interchangeable et puis en même temps qu'on peut emboîter les packs batteries les uns sur les autres. Donc c'est un avantage pour le transport. Pour la mettre en action, il faut juste appuyer sur un bouton et c'est parti. 137 kg, donc très léger. Un poste de pilotage qui va se rapprocher d'un poste de pilotage de karting. Au niveau de la direction, un quart, donc 15 degrés à gauche, 15 degrés à droite, et un accélérateur au pouce. C'est une gâchette tout simplement qu'on peut après transformer, c'est-à-dire qu'on peut aussi la transformer pour que ça devienne une palette. Pour la mise en marche sur le tableau de bord, le bouton start. Au niveau de la propulsion c'est une propulsion waterjet, donc une propulsion par jet d'eau. D'accord. Donc en dessous, vous avez une écope qui aspire l'eau. Au milieu, vous avez une hélice pour pouvoir avoir la poussée nécessaire que nous avons développée. Et à l'arrière, un godet déflecteur. Le CU EcoKart, c'est un engin qui est très stable. C'est pour ça qu'on l'a choisi en trimaran, parce que ça nous permet, si vous voulez, d'avoir le maximum d'aisance en virage. Ça vire à plat, c'est pas piège. Donc ça nous permet de pouvoir mettre des jeunes dessus. Donc on part du principe que sur le CU EcoKart, 1m50, c'est la taille minimale à respecter. Parce qu'après, le pratiquant n'aura pas les pieds dans les baquets. C'est un véhicule qui est sans permis, avec une motorisation qui fait 6 chevaux, qui est en position centrale, que nous avons développé. Dans la gamme CU, vous avez un autre véhicule qui s'appelle le CU Jet Boat, que nous mettons en place. C'est un semi-rigide de 3,20 m de long. Ce semi-rigide, c'est exactement la même chose que nos trimarans. Sauf que la grande différence, c'est que vous pouvez mettre deux packs batteries, donc vous pouvez doubler la capacité de l'autonomie du véhicule. Vous avez, à la place d'avoir une chaîne de propulsion standard, la chaîne de propulsion est montée dans une boîte. Voilà, ce qui permet de pouvoir s'adapter à tout type de véhicule, à fond plat. Homologué 4 personnes, catégorie D, une seule personne pour le CU EcoKart, catégorie D aussi de navigation. Donc à l'avant, vous avez une niche fourre-tout vous permettant de pouvoir mettre un rangement. Vous avez aussi de quoi mettre portefeuille, carte de navigation ou autre directement sur la console. Vous avez de quoi aussi élinguer le bateau. Ça, le projet CU Jet Boat, comme vous voyez, voilà, un des premiers protos qu'on a sortis.